Bonjour à tous et à toutes. Bon, je bois mon petit thé et j'arrive tout de suite. Pour Stoners, vous êtes prêts? Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Stoners. Vous connaissez? Eh, vous savez ce que je viens de voir? Vous voyez ce que je vois? Alpha 23. On est passé à un niveau au-dessus, une alpha au-dessus. Bon, je vais pas vous dire ce qu'il y a de plus, hein. Voilà. Vous savez lire l'anglais. Moi, je suis pas très fort en anglais. Voilà. Vous lisez. C'est quand même. Je pourrais pas vous dire ce qu'il y a de nouveau. Mais bon, on va essayer de faire en sorte de savoir. Parce que bon, je me suis pas. Je pensais même pas qu'il allait y avoir une nouvelle alpha aujourd'hui. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Bon, je vais pas vous donner de descriptif non plus des alphas, hein, qu'il va y avoir. De ce qu'il y a dans l'alpha. En tout cas, il y a des performances de certains trucs qui vont être améliorées. Blablabla, comme d'habitude. Bon, le mieux c'est d'y jouer, hein. Voilà, nouvelle animation déjà, une petite animation, c'est joli. On va voir ce que ça donne, donc dans ma ville. J'espère que ça va vous plaire et qu'on va bien s'amuser, qu'on va bien rigoler et que ça va bien se passer. Allez, quatrième épisode de Stoners. J'espère que cette fille, le survivre va être encore mieux. Bon, c'est vrai qu'on va pas avoir tout ce qui est modélisation de. Au chal de map, personnage. Bon, tout ça on passera peut-être dans un autre épisode. Bon, voilà. Ce que j'ai à dire, c'est que. Juste un truc à vous dire, c'est que si vous avez envie de dire quelque chose, commentez. Si vous avez envie de liker, likez la vidéo. Voilà, si vous appréciez la vidéo, likez-la. Si vous avez envie de noter ma vidéo sur 10, notez-la. Et puis si vous avez envie de vous abonner, abonnez-vous pour avoir de nouvelles vidéos de Stoners. Bon, là, on a déjà un petit problème de texture déjà, hein, vous voyez. Je sais pas si vous voyez comme moi, mais là, il y a un petit problème de texture. Il y a ça qui est en plein milieu des autres. D'accord, ok. Bon, bah ça, il faudrait qu'il... D'accord. Ça c'est des nouveaux trucs, mais en fait, comme moi j'ai mis en français, eh bien, il y a des choses qui sont modifiées. Icône, ok, mais ouais. On va voir ce qu'on peut faire, parce que ça se trouve c'est... Ouais. Donc moi j'ai tout ça, ok. Graphique, ok, mais ouais, système français, ok. Mais je comprends pas pourquoi ça c'est là en fait. Je vais voir si je le mets en anglais, ce que ça donne. Système English. English, ça marche. Ouais. Poseille, tout ça. Poseille, tout ça. On va voir ce que ça redonne. Si je le remets en français, un système franchouille. À moins que ça se trouve, ça soit bugué en français. Puisque ça se trouve, il n'y a pas la touche. Ouais, il n'y a pas la touche. En tout cas, la touche est mal positionnée. En fait, ça décale tout. Dommage. Bon, c'est dommage. J'aurais préféré que ça soit mieux. Bon, après, c'est pas des trucs que j'utilise, mais c'est vrai que ça décale tout, en fait. C'est un peu dommage. Ok. Bon, bah oui, un vitage d'affichage, non, c'est pas un problème. Plein écran. Non, il n'y a pas de problème de ça. C'est juste que... Alors, attends. C'est quoi ça? Il y a pas mal de trucs qui sont en anglais qui sont pas remis en français. C'est dommage. Parce que je dois remettre en anglais, quoi. Parce que sinon ça va me faire. Bon, ça va faire un peu bizarre, quoi. Comme vous voyez, bon. Après, moi ça m'empêche pas de cliquer sur les choses. Hein. Vous voyez, rayon X, machin. Mais ils auraient pu ouais, mettre ça de l'autre côté, je sais pas, et de l'autre côté c'est vide, ils pourraient mettre un truc quoi. Bref, tant pis. On va s'en sortir quand même comme ça, on va voir ce que ça donne. Bon, allez, quatrième épisode, j'espère qu'ils ont amélioré pas mal de choses. Alors là, ils ont amélioré ici pas mal de choses. Vous voyez, hein, comment c'est plus beau, idéal pour fabriquer des meubles plus sophistiqués. Ok, c'est beau. Ah ouais, ils ont même modifié les graphismes des objets. Vous voyez, ça c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Alors... Comme c'est... Ah oui, ils ont mis des meubles en plus. Ah ouais, ils ont changé pas mal de trucs, hein. Ils ont mis des lits en plus. Il faudra que je... Comment dire? Il va falloir que je remette le jeu en anglais, puisqu'il va me manquer des trucs, puisque je comprends pas. Enfin, c'est pas que je comprends pas, c'est que... Vous voyez, quand je clique ici... Même là, regardez... En fait, c'est comme c'est un truc en anglais, ben, ça traduit pas encore. Et donc les noms, ils sont à rallonge. On verra ça plus tard. Je vais vous les remettre en anglais. Je vais vous remettre le jeu en anglais. Alors, bam. Système.
Hop. English. Vista, Vista. On va remettre en anglais, puis voilà, hein, je ne saurais pas tout. Parce que bon, j'ai besoin d'accès en français pour comprendre un peu ce qui se dit, et ce qui se fait, et pourquoi ceci, et pourquoi cela. Donc voilà. Alors là, ils disent appel. Je ne sais pas ce que ça veut dire, appel, mais ça doit être la beauté, je pense. Ouais, je pense que ça doit être ça. Bref, peu importe. Allez, on se concentre sur l'essentiel, là, le craft. Hop là. Il me faut à peu près plein d'outils, parce que bon, j'aurais pas beaucoup d'outils. Alors, poser, non, pas poser, on lance la partie, là, c'est bon. Hein. Donc voilà, là, donc, appel, c'est pour savoir la beauté, en fait, des l'esthétique, voilà, l'esthétisme. C'est écrit neutral, esthétisme, en fait, donc voilà. Ça permet de savoir l'esthétisme d'un lieu, et je pense que ça fait en rapport avec... la beauté d'un lieu, donc pour avoir une maison, savoir si la maison est belle ou pas, ou s'ils sont contents d'être dans la maison, ou que ce soit, je pense que ça. Oh, carrément, il est énervé. Tu peux savoir s'ils sont énervés, s'ils sont contents et tout, c'est pas. Bref, allez, concentrons-nous sur le lieu, sur le fond, parce que là, je suis un peu déconcentré sur tout ça. Donc, ça, ok, ça a pas changé là-dessus. Ok. Là-dessus, ça a pas changé. Ah, ça, c'est quoi ça? Bon, ça te met directement le caractère du personnage, tout ça. Attitude, équipement, job, ok. Ah oui, d'accord. Là, tu peux savoir s'il est content de la beauté ou pas. S'il trouve que c'est beau ou pas. Le moral, tout, tata, l'inventaire, le journal. Bon, enfin, je pourrais pas lire l'inventaire. Le journal, plutôt. Voilà. Bon, allez. Tout le monde a son métier, je crois. Ah, tu peux même voir la vidéo. Ah, c'est pas mal, ça. Ça a un peu changé. Maintenant, tu peux savoir directement son niveau, son humeur et sa vie. C'est pas plus mal. Bon. Lui, c'est un combattant. Patrolling, il est pas content. Ça, c'est un combattant. Tout ça, ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est... Alors, comme j'ai de la nourriture maintenant, le but maintenant, c'est d'avoir... comme je vous l'ai toujours dit, hein, d'avoir assez de nourriture pour pouvoir avoir plus d'habitants. Alors là, on va se concentrer sur l'habitation. Voir s'il y a plus d'habitants, si on peut faire ce qu'on a besoin de faire. Le bois, bah, pour l'instant, tant que j'ai pas le fermier niveau 5, je peux pas le faire. Là, le fermier niveau combien? Il est niveau apprenti, donc... sachant que, voilà, il est petit niveau, donc il faut leur faire plus de fermes, je pense. Comme ça... ils auront plus de travail, ils apprendront plus vite. Alors, hop. Ah, il y a un... Comme j'ai eu la version française, en tout cas, j'ai réussi à avoir le système pour la traduction en française, qui n'est pas à la base officielle, évidemment. C'est des lignes de... C'est un fichier texte, je crois, qu'il faut changer. Ou quelque chose comme ça. Eh bien, le jeu n'est pas... comme il devrait être, parce qu'il n'a jamais été... Il n'est pas traduit en français, en tout cas, pour l'instant. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, oui, depuis que j'ai la version traduite un peu en français, je comprends un peu mieux ce qui se passe. Voilà. Donc, tout à l'heure, il y avait un marchand qui venait. Donc, voilà. Je crois que, normalement, si je vous expliquais comment la mettre en français, il y a dans mes épisodes largement avant, et j'espère que... Si vous avez besoin de savoir, il suffit de regarder mes anciens. Ah, et ben voilà, j'ai un nouveau. Un nouveau qui arrive, il est où le petit? Il arrive où? Bah, il arrive là. Directement, voilà, vous avez vu? Avant, je sais pas si vous avez regardé mes anciennes vidéos dans l'Alpha 22 ou début d'Alpha 22, ou même 21, ils arrivaient ici, à l'extérieur de la map. Et là, vous voyez, ils arrivent ici directement. C'est largement mieux, puisque bon... Comme ça, il évite d'attendre, comme ça, sans rien. Si tu fais pas attention, il se fait tuer directement. Alors lui, c'est un charismatique, cultisme, ok. Alors lui, on va le mettre... non, c'est pas ça que je demande. On va le mettre changer de job, parce que je voulais regarder son caractère maintenant. J'ai besoin... Alors lui, comme il est charismatique, je vais quand même mettre des... Ouais. Quand même mettre un maçon, voilà. Un charpentier maçon, voilà quoi.
vous comprenez. Ouais, vous avez vu, comme j'ai un fermier, j'ai pas mal de peaux. Alors, est-ce que j'ai fait... Alors, j'ai pas fait son... Je n'ai point fait son atelier, lui. Alors, il peut pas, puisque le 2, c'est pas un niveau élevé. Voilà, ça, il peut. Ok, je vais leur faire déjà commencer à couper la pierre, puisqu'on va commencer à faire des bâtiments en pierre. Comme vous pouvez le savoir, dans ma vidéo d'avant, on peut faire des bâtiments en pierre, et je vous l'ai montré, normalement. Si vous avez regardé la vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la re-regarder. Donc voilà, on est en alpha 23 et on est en train d'avancer tranquillement. On va quand même, voilà, comme d'habitude, moi je coupe la pierre. Je couperai aussi en hauteur pour que ça fasse un peu propre, vous allez voir. Mais ouais, je vais pas hésiter à monter en hauteur, à mettre des échelles évidemment, voilà, comme ça, clac. Mettre des échelles pour pouvoir couper la pierre droit et que ce soit propre. Parce que sinon ça fait pas beau, ça fait des montagnes, des... Voilà. Donc, bah, tout simplement, alors, là on a pas mal de... Ah bah voilà, ils ont mis l'établi. Tout ce qui brille comme ça, c'est soit pour les métiers, soit des choses à poser. Voilà. Alors, voilà, on le fait tournicoter. Pour l'instant, moi je les mets toujours dehors, hein. Peu importe qu'ils aient de la beauté ou pas, je les mets toujours dehors. Après, peu importe, hein. Pour l'instant, c'est pas vraiment le but de faire des trucs optimum. Il y a quelqu'un qui veut, un marchand qui veut venir, pourquoi pas. Il arrive dans 24 heures, dans une journée, quoi. Alors, mes fermiers, donc, ils vont augmenter de capacité. En richesse, pour l'instant, il manque des ressources, évidemment, puisque j'ai manque du bois. Vous pouvez le voir assez rapidement, hein, toutes les constructions que j'ai, c'est plus de bois. Je vais commencer à faire des constructions en pierre. Alors, je vais regarder s'ils ont mis de nouveaux... Non, ils ont pas mis de nouveaux... Ah, si, non. Si, si, ils ont mis des... Si, 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 je l'avais pas vu. Mais ils ont mis... Alors on peut rechercher aussi des trucs, c'est pas mal. Mais ouais, ils ont mis un truc d'herbaliste. C'est un nouveau. Voilà. Là, c'est le truc de dîner. Un truc pour le métier d'herbaliste, mais je vais le faire en bois. En pierre, plutôt. Je me trompe. Excusez-moi. Alors moi, je fais toujours mes maisons plus ou moins l'une à côté de l'autre. Non, je vérifie quand même que ça soit pas trop loin, près du bord, plutôt. Parce qu'après, vous allez voir qu'ils vont passer par en bas et ça va pas être très bien. Hop, ok. Alors là, je vais modifier. Alors, je vais pas le continuer. Je vais l'éditer pour pouvoir. Alors, voilà. Je vais choisir le matériau que je veux. Alors là, le toit, je le choisis. Ouais, date. J'ai passé. Ok, c'est magnifique. Alors, le toit. Je vais l'abaisser parce que je trouve que c'est plus beau quand il est abaissé. Un hauteur ou deux, c'est pas mal. Ouais, ça suffit. Ouais. Après, si je peux même le faire plus avancé sur un côté ou de l'autre, hein, vous voyez. Si je veux le faire plus reculé ou quelque chose comme ça. Un genre de préau, vous voyez. Pas mal d'école. Allez, il faut se mettre sous le préau, il pleut. Je déconne. Voilà, quoi. Pourquoi pas. Après, il faudra mettre un pilier, mais... Ouais. Bref, non, je vais laisser comme ça. Pour l'instant, je m'inquiète pas parce que les ennemis sont derrière, donc ça va. Je vais quand même mettre ça à cette hauteur-là. Je vais mettre de la pierre ici. Alors, les murs. Les murs en pierre. Voilà, en pierre ici aussi, vous voyez. Donc là, c'est les murs et ça, c'est les colonnes. Il y a le royaume qui m'appelle, ouais, machin. Ok, une proclamation. Cool, ok. Moi, je vais militaire. Ouais. Ok, donc là il faudrait que je fasse en sorte d'avoir ce qu'il faut. Alors hop, je vais mettre. Alors j'ai mis mur en. Ouais, parce qu'il n'y a pas de mur en fait. Où je suis. Alors, il n'y a que des colonnes en fait, c'est pour ça que. Mur en bois. Mur en pierre plutôt, colonne en pierre. Alors, il faut que je sélectionne à chaque fois hein, tous les murs. Comme vous pouvez voir. Je peux même choisir la couleur de la pierre aussi. Vous voyez. Je peux la choisir bleu, violette, pas violette non plus, mais voilà. Je peux choisir un peu la couleur. Paf, pierre. Je sais pas si ça le fait les murs comme ça. Mur de pierre un peu bleu, bleuâtre. Et je peux même faire la même chose pour les colonnes. Mais j'aime bien les couleurs comme ça. Donc là, j'ai débloqué les choses. Alors, bon, il n'y a pas grand chose qui va être en pierre. Là, c'est blanc.
Ça fait débloquer les choses en pierre. Non, je déconne. Ouais, elle est pas mal comme ça, en blanc crème. En blanc crème, ça fait joli, je trouve. Est-ce que vous avez le même avis que moi? Je sais pas. Mais en tout cas, ça fait joli. Alors, mettre le même, parce que sinon ça va pas le faire. Mais non, je peux le mettre ça. Ouais, c'est pas le même. Ouais, c'est celui-là que j'ai mis. Donc, il faut celui-là. Voilà. On va faire comme ça, hop. Donc, on aura besoin de 19 de pierre. En bois, vous regardez, il ne m'en manque plus que 5, c'est pas grand-chose. Après, les meubles, c'est vrai qu'ils sont en bois, pas en pierre. Donc, ça, je sais pas si je peux les modifier, je crois pas. Bon, au moins, si les meubles, ils sont en pierre, c'est pas trop problématique. Donc, voilà. Tant que j'ai pas fini mes meubles, je ne peux pas finir la maison. Et comme j'ai pas de bois, il faut que j'attende que mes fermiers augmentent de niveau. Alors, hop, tout ça, clac. Non. Ah là là, des fois je me perds avec les mods. Donc voilà, hop, on va faire ça comme ça. Bon, si vous avez besoin de plus de précision, n'oubliez pas de mettre une seule. C'est pas plus mal non plus. Mais par contre, ça fait étage par étage. En fait. Vous faites étage par étage, c'est un peu bête. C'est un peu embêtant, mais bon, des fois c'est pas plus mal. Alors, clac, on va faire ça comme ça, tac, autrement vous faites ça comme ça. Mais en fait, si vous avez remarqué, vous avez toujours un espace entre les deux en fait. Vous voyez, ça vous fera jamais de là jusque là. Ça vous fera toujours un espace, je sais pas pourquoi. C'est un peu bizarre comme manière de penser, en tout cas là-dessus, mais bon, voilà. En tout cas, c'est comme ça pour l'instant. Ça commence à se dire qu'il y a ça au-dessus. Bref. Peu importe, donc là il va tout enlever. Ok, il va peut-être pas tomber. Non, il reste sur le dernier. Non, voilà, comme d'habitude, il faut lui faire une échelle pour qu'il puisse se sauver. Sinon, il va jamais réussir. Hop, voilà, il faut lui mettre des échelles partout parce que sinon ils sont perdus. Ils sont partout, et c'est marrant. Les échelles, c'est du bois, mais ça demande aucun bois. Alors là, ils peuvent pas y aller puisque c'est pas assez haut, évidemment. Tac. Toi, je t'enlève l'échelle. Ça t'enlève de la beauté au dolmen. Ok, ça c'est bon. Là, il a tout fait. Ah, ouais. Il y a un morceau qui reste. Alors, ici, bam, on va faire ça comme ça. Voilà. On va mettre l'échelle de telle manière qu'ils enlèvent ça. Lui, alors. Tant qu'ils n'ont pas fini, tous les carrés ne s'enlèvent pas. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous voulez qu'ils finissent complètement la zone pour détailler mieux, pour savoir ce qui a été oublié, vous enlevez directement la zone et puis vous recommencez une zone plus petite. En fait, c'est plus simple. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez bien sélectionné les bons éléments. Parce qu'en général, vous sélectionnez un truc global et en fait. Vous savez plus, le carré il reste et en fait vous savez plus si vous avez bien sélectionné l'endroit. Bref. Lui il est sur l'échelle donc c'est parce qu'il n'a pas d'autre mission. Quand je lui donnerai une autre mission ça ira mieux, mais pour l'instant. Ouais. N'oubliez pas d'enlever les échelles aussi. Bon, je sais pas si elles s'enlèvent automatiquement. Je ne crois pas, mais il faut toujours vérifier être sûr. Mission de soi. Donc là, enlevez-moi ça. Comme ça fait pas propre. Donc déjà vous voyez, là c'est plus lisse déjà. Je suis content de moi. J'aurais dû mettre l'échelle de l'autre côté, évidemment. Ils font jamais les choses comme il faut. En tout cas, ils font toujours le contraire de ce que je pense faire. Bref, c'est comme ça. Le jeu, hein. Le jeu est comme ça. Je cherche pas à comprendre. Ah, j'ai pas mis l'échelle au bon endroit. Ah, c'est trop loin. Évidemment, l'échelle est trop loin. Hop là. L'échelle doit être là, non? Ah oui, ils l'ont pas mis encore. Bon, là, c'est l'heure de dormir pour eux. Ok. Hop là, donc, ouais, ça, ok, j'ai débloqué pas mal de choses que je peux faire, oui, je sais, en fait, comme j'ai pas enlevé le premier, il me restait l'autre, alors, je vais vendre des trucs, parce que j'ai besoin de, alors, ça, je l'ai déjà, pourquoi je vais le vendre, ça, je peux le vendre, oui, parce que la pierre, je peux le vendre complet. Bon, la pierre, ce qui est bien, c'est que ça vous fait beaucoup, beaucoup de pierres et vous pouvez la revendre, c'est parfait. Ah, bah voilà, tiens, les choses en bois. Bah voilà, je vais acheter du bois, parfait.
Non, j'ai plus beaucoup de bois. Hop là, voilà. Date. Magnifique. Non. Il faut que je construise plus. Pas grave. Alors, il faudra que je construise plus. Il faudra que je casse de la pierre. Donc, hop. Hop, tout ça, je vais casser. Comme vous voyez, hein, ici, le 4, ça le sélectionne. Pas vraiment. Ici, ça réussit. Bizarrement. Mais pas partout. C'est ça qui est un peu bizarre, c'est que là, c'est parce que... Je sais pas pourquoi. Parce que là, vous voyez, il m'empêche de sélectionner. Après, je sais pas pourquoi, mais... Il me met toujours un espace. Ah, là, il a pas mis d'espace, bizarrement. Ah si, il me met un espace quand même. C'est ça qui est un peu bizarre, qui est un peu chelou, qui est un peu incompréhensible. Là, quand vous êtes sur zéro, ça va, mais j'ai pas compris pourquoi. Voilà. Ils veulent pas sélectionner toutes les zones, regardez. Vous voyez ici, hop, hop. Il y a toujours un espace. Donc voilà pourquoi, des fois, c'est un peu bidon de faire, d'essayer de tout faire d'un coup. Des fois, il faut prendre son temps. Tac, tu prends ton temps, clac, tu fais les trucs. Faut bien que je regarde si... Ah, ils font pas cette zone-là, je sais pas pourquoi. Pourtant, lui, il est en espace. Attends qu'ils ont pas fini les autres, de toute façon. Des fois, il y a des trucs qui sont durs à comprendre hein, dans le jeu. Faut pas chercher à tout comprendre. Ah, c'est quoi ça? C'est un truc super beau pour les animaux, je crois. Ça m'a l'air, en tout cas. Voilà, voilà, voilà. Tranquillou. Donc là, la journée passe. Je vais voir le niveau des fermiers. J'aurais besoin de savoir. Encore apprentissage. Encore apprenti. Il n'est pas encore niveau 2. Allez, bientôt, bientôt. Ils avancent bientôt. Tranquille. Donc la ressource, ça, c'est pas ce qui manque. Par contre, il faut faire attention à la nourriture, comme vous pouvez voir. Si vous la laissez dehors à périm, vous voyez ici, là. Je sais pas si vous voyez, des espèces de petites entités qui bougent. En fait, c'est la nourriture qui périme parce qu'elle est dehors. Donc vous avez les moucherons qui volent tout autour. C'est un peu normal. Hein. Quand vous laissez la nourriture dehors, c'est normal qu'il y ait les moucherons et que ça périme. Hein. C'est tout à fait logique. Donc voilà. Ce qui reste à faire. Là, j'ai commencé la maison. Cette maison n'est pas terminée encore. Non, il reste des lits, tout ça. À faire, il reste tout le mobilier intérieur. Là, il reste tout ce qui est ma pierre, ils en ont pas parce que je leur ai pas tous dit. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de. Il y a pas beaucoup de gars qui vont commencer à miner. Il y a qu'un seul mec qui mine, c'est lui, puisqu'il est maçon. Bon, pour moi, j'appellerais plus. Ouais, c'est un maçon, puisqu'il fait la pierre. Mais bon, c'est un peu. Ah, je suis pas content. Il n'est pas d'accord dans la discussion, les enfants. Bon, je pense qu'on va bientôt s'arrêter là. Hein. J'espère que ça vous aura plu, que la vidéo vous aura appris des choses. Donc voilà, on est en Alpha 23. Il y a pas mal de nouveautés. On va se retrouver pour une nouvelle vidéo très bientôt. Ah bah, voilà, un nouveau citoyen de mon village. Il va arriver ici normalement. Même pas. Je comprends pas pourquoi. Bah, encore une incompréhension de ce jeu. Voilà. Il y en a qui arrivent à l'intérieur, il y en a qui arrivent à l'extérieur. Pourquoi? Bonne question. Bref. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Hop, j'oublie pas de fermer parce que la dernière fois ça m'a coûté cher. Et à la prochaine vidéo. Hein. Un petit stoner, c'est toujours. En 20 minutes de game. Hein. Donc voilà. Allez, n'oubliez pas de liker si vous avez apprécié. Hey, toi là, pour 2018. Ouais. Faut prendre les bonnes résolutions. Like, abonne-toi. Et commente, vas-y hein, fais-toi plaisir.